à l'intérieur du salon Talents et Saveurs, la Biennale des métiers d'art, donc tous les deux ans, comme son nom l'indique. L'idée, c'est de mettre en valeur les différents métiers d'art. Et à chaque biennale, depuis quelques éditions, la troisième je crois, on met à l'honneur une matière. Donc cette année, c'est le métal qui est mis à l'honneur. Donc on a des démonstrations autour des savoir-faire particuliers liés au métal. On a aussi des lycées professionnels qui sont présents, notamment le lycée Filio qui a une filière autour du métal. On a des démonstrations de gravure et on a aussi un concours donc qui est intitulé savoir-faire FER. Donc le public est invité, il y a une douzaine de réalisations qui ont été créées pour ce concours et le public est amené à voter pour la pièce qui lui semble la plus adaptée à remporter ce concours. Alors le résultat, ça va être demain à midi. Donc c'est un vote public, donc on va voilà, très facilement établir qui est le gagnant de ce concours et puis on va faire la remise du prix demain à midi, donc dimanche. Je suis installé en Meuse. Ça fait 6 ans que je travaille donc essentiellement le métal, du métal essentiellement de récupération. Tout peut se transformer et tout peut donner source à création. C'est pas un matériau difficile, c'est un matériau qu'il faut savoir apprivoiser. Je crois que c'est plus une habitude. Après, moi j'ai toujours adoré le métal, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir dompter, il faut savoir, il faut savoir le travailler, ça s'apprivoise en fait. Il faut savoir ensuite le vieillir, l'oxyder, vraiment le travailler. Moi je le travaille vraiment de A à Z quoi, en fait, le métal. Et j'utilise peu de machines en fait pour le travailler, donc c'est des meuleuses, après pour l'assembler c'est un poste à souder. Moi ce que j'aime bien, c'est travailler en deux temps, c'est-à-dire que j'ai une boîte à idées dans laquelle je vais poser des objets et puis quelques semaines après ou quelques mois, je vais reprendre cette boîte, je vais l'ouvrir et je vais voir si je suis toujours d'accord ou si ça me parle. Donc c'est l'association Métiers d'art en Franche-Comté qui organise cet espace. Alors les dates, donc c'était du 20 au 22 novembre, donc c'était hier, aujourd'hui samedi et demain encore dimanche 22 novembre.